j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à liker ce sans-faire et à vous abonner. Aujourd'hui, pour cette toute nouvelle vidéo, on s'attaque à Discord. Aujourd'hui, on va faire comment mettre un bot qui fait de la musique tout simplement. Alors là, le lien sera dans la description pour ceux qui ont la flemme. Vous allez donc ajouter à Discord. Voilà, comme ceci. Là, vous allez sélectionner un serveur. Moi, Darkness. Vous faites continuer, autoriser. Là, ils vont vous faire un captcha pour voir si vous êtes, si vous n'êtes pas un robot. Voilà. Alors, quand vous êtes accepté, vous fermez les deux pages tranquillement. Astuce aussi, vous pouvez rajouter un rôle, genre un rôle bot. Là, vous faites ici, gnagnagna. Alors là, vous choisissez un vocal que vous préférez, qu'il y a rythme. Rythme dans le vocal pour que vous jouez. Voilà. Il y a aussi des commandes là. Je mettrai dans la description. Donc pour l'instant on s'attaque à ça. Vous choisissez ça. Un salon que vous voulez qu'il y a de la musique. Par exemple ça, vous modifiez le salon. Tout simplement, vous allez dans permission. Là, vous avez bot Everion. Dans Everion, vous faites voir le salon, oui. Tous les autres trucs, non. À part se connecter et voir le salon. Là, vous acceptez. Et tous les autres trucs, vous acceptez pas. Et oui, vous mettez votre pseudo. Ou pas. Vous mettez ceux qui pourront le faire. Moi, je vais mettre ceux qui peuvent faire. Voilà. Puis vous rajoutez rythme. Pour rythme, vous mettez tout, absolument tout ce qu'il y a. Voilà, quand vous aurez mis toutes les permissions à rythme, vous faites pour fondateur, etc. Administrateur YouTubeur. Voilà, comme ceci. Donc là, vous pouvez fermer tout simplement, modifier le salon. Hop. Et là, vous allez dans vocal musique. Oups. Voilà. Moi, je vais dans général. Là, par exemple, je vais mettre une musique. Play. Ça marche vraiment. Voilà. Voilà. Voilà un petit tuto comment mettre un bot musique. Ah oui, j'ai oublié. Les commandes seront aussi dans les liens de la description. Disconnect. Voilà. Donc, vous pouvez mettre rythme, le rôle bot. Et voici comment voilà faire. Alors, c'était CyberSoyKZZ. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter et lâcher un gros pouce bleu. Ça me fera extrêmement plaisir. C'était CyberSoyKZZ. On se voit à bientôt.